Salut tout le monde! Alors, bon matin tout le monde! Alors, aujourd'hui, guys, petit vlog relax. Là, je viens tout juste de revenir déjeuner du Normandin, parce que j'adore aller chez Normandin, c'est moi. C'est comme un peu, on va dire, notre routine. Là, aujourd'hui, guys, il n'y a pas grand chose de spécial comme d'hab. Là, je vais aller me préparer parce que tantôt, je vais partir aller chez ma mère à pied. Fait que, tu sais, parce que là, tu sais, pourquoi je vais chez ma mère, c'est parce que je vais aller voir mon chat. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, puis j'avais dit, oh, je vais venir, tu sais, j'avais dit ça il y a pas longtemps. Puis, non, longtemps, je voulais plutôt dire ça, longtemps. Puis ça finit toujours que j'y vais jamais, parce que soit j'ai pas le temps, soit qu'il arrive de quoi. Puis que, ben c'est ça, que, ben, c'est bien plate que ça arrive. Fait que je vais me préparer, je vais aller voir mon chat. Il y a des grandes chances aussi que j'aille pelleter. Il n'y a pas tant de neige que ça de chez nous. Mais pareil, je vais aller pelleter. Je pense que ce serait important. Parce que il y a de la glace en dessous. Puis ça, c'est très dangereux. Tu t'attends vraiment pas à ça que de la glace en dessous de la neige. Là, tu marches, tu es normal. Là, tu finis par tomber parce que tu savais pas qu'il y avait de la glace en dessous. Ok, j'arrête de parler. Fait que je vais me préparer. À plus. Bon, fait que guys, j'ai fini de me préparer. En fait, je voulais vous montrer un peu comment que chaque fois que je vais chez ma mère, qu'est-ce que j'emmène. C'est pas grand-chose, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est juste bien pourvu que je passe pas complètement toute la journée là, puis que je dors pas là. Ben, c'est quand même assez bien. En format voyage, on va dire. Ça va pas du tout pour rapport. Fait que je vais vous présenter ça. Fait que, première des choses, mais j'amène mon cellulaire, ma caméra et mon iPad. Et dans quoi je mets tout ça? Ben c'est simple, dans un petit sac de main. Puis ça rentre complètement dans tout ça. Puis mon cellulaire puis mon iPad, je mets tout ça dans ça. J'avais acheté, je pense, au Dollarama, cette pochette-là. Puis ça, ben c'est super fun. Si ça tombe à terre, ben t'as grande chance qu'il ne s'accroche pas, ton iPad et ton cellulaire. Ben, je mets ça dans ça. Après ça, je mets ça dans le petit sac, ça rentre tout. J'amène mon lipstick, les fils de rechange, c'est un coup s'il y a manque de batterie. Fait que vraiment, je suis comme. C'est pas trop gros le sac. Le sac est pas trop gros. Je l'aime juste parfait comme ça, c'est juste parfait. Fait que c'est ça que j'amène chaque fois quand je vais chez ma mère. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que là, deuxième étape, je vais aller pelleter. Wouh! Le fameux classique de l'hiver. Bon, fait que là, je viens de finir de pelleter. C'est quelque chose, hein? Maudit hiver plate. Faut toujours tu pelles. Oh là là, hein, c'est l'enfer. Fait que là, je vais aller direct chez ma mère. J'ai fini de pelleter, comme je viens de vous dire. Il fait frette, j'avais pas de gants en plus. Mes gants sont mouillés, fait que je suis une main. C'est pas grave, je me suis en sortie. J'espère juste que je n'aurai pas des engelures sur les mains. J'ai la bouche gelée. Je sais pas si ça se voit, là. Fait que, gars, je vais aller tout de suite chez ma mère. Fait que c'est parti. Maudit hiver plate. C'est gossant. Je sais pas si vous m'entendez comme il faut, là. Mais il fait en petit péché. C'est l'enfer. Il vente, là. Mais comme ça se peut pas. Alors, j'ai mal aux mains, là. J'ai fret aux mains, c'est l'enfer. J'espère juste que vous m'entendez. Parce qu'il y a beaucoup de vent en ce moment. Je sais pas si ça se voit. Ouh! Je vous le dis, guys, j'ai les mains gelées, là, comme c'est pas possible, c'est fou, là, vraiment. J'ai les mains rouges, là, certain. Quand je vais arriver chez ma mère, guys, là, certain, je vais avoir les mains rouges, là.
ça va être... ça fait mal. Quand t'as les mains rouges de même, c'est parce que ça fait mal. Ok, mon bébé. Cookie, t'es où? Oh, Cookie! C'est un amour! C'est mon bébé! Lèche-moi les mains, j'ai assez frette, Cookie. Mon bébé d'amour! Tu dois être cute, toi! Quand tu t'appelles, regarde-moi pas de main! Oh, Cookie! Oh là 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 là! Bon, fait que je suis rendue chez ma mère. Guys, je sens plus mes mains, ils sont tellement gelées. J'ai tellement le cou et la bouche gelée. Que là, surtout, c'est mes mains qui sont le problème. C'est ça, ils font mal. Ils font vraiment mal. Je m'entendais vraiment pas ça que dehors, il faisait aussi frais que ça aujourd'hui. Tu sais, j'étais allée juste aller manger au Normandin avec mon père. Tu sais, c'était pas si pire, honnêtement. Mais, ouf, désolé, ça bouge. Mais c'est ça, je m'entendais vraiment pas ça. Fait que je vais m'y réchauffer, là. Puis là, j'ai vu mon chat, ça me réchauffe le cœur. Oh là là, je venais justement pour ça. Ah, Cookie, t'es tombé beau, toi? Fait que, guys, je suis rendu chez ma mère, je suis tellement heureux. Oh my god. Oh, j'ai les mains gelées. Ah, ça paraît que mes mains sont rouges un peu. Je les sens plus. Bon, oh, mon Dieu, désolé. Je les sens plus, mes mains, c'est l'enfer, comment je suis. Mes mains sont gelées. Fait que, pas grand de la journée, avec mon chat, je vais écouter Samson. C'est simplement ça que je venais faire. À place de rester chez nous à rien faire tout seul, ben. Hein, je vais voir mon chat, puis je vais écouter les Simpsons avec lui. Hein, Cookie? 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 Hein, Cookie, on va écouter les Simpsons, hein? Et là là! Lui, il est d'un autre monde, ben relax, ben smooth. Fait qu'on va se retrouver plus tard, je sais pas quand. Je vais continuer le vlog. À plus et à tantôt. Regardez, guys, on écoute les Simpsons ensemble. Papa! Bébé, gêné de la caméra. On écoute les Simpsons ensemble, hein, Cookie? Cookie, bébé. Non, oh, bébé, va-t'en pas, bébé. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Allô, tout le monde! Ok, va-t'en. Oh là là. Cher mignon. On écoute les Simpsons. Oh non, je t'ai brillé comme une grosse créature, j'ai assez fait. Oh. Ah, les Simpsons, j'adore ça, honnêtement, c'est une belle série. C'est, je trouve ça tellement le fun. Non? Ok, bon, fait que, je voulais juste vous montrer comment mon chat, il est adorable envers les humains. Ça voulait absolument rien faire, ça. Oh non, il neige pas déjà. Bon, j'ai appelé mon père qui vient me chercher tantôt. Pas grave, une chose à la fois. Ok, bon, fait que on se retrouve tout à l'heure encore une fois. Ça fait deux fois, je vous dis. C'est pas grave, pas d'importance. Ok, à plus. Bon retour. Alors, mon chat m'est en train de me regarder. Il se demande qu'est-ce que je fais. Pas. Là, j'étais sur l'ordinateur. L'ordinateur. Et là, ça marche pas. Le mot, faut avoir un mot de passe pour entrer sur l'ordinateur. Puis, j'ai jamais utilisé l'ordi à ma mère. Fait qu'il y a un mot de passe. Puis, je sais pas le mot de passe. C'est pas grave. Mais je veux juste vérifier. Parce que sur mon iPad, qui est juste ici, je voulais voir sur l'ordi si on pouvait trouver les trois jeux. Ben, tu sais, des jeux de GameCube. GameCube. En tout cas, bref. Des jeux de GameCube pour mettre ça sur un iPad si ça peut. Parce que là, tu sais, j'ai plus de batterie, c'est ça que je veux dire. J'ai plus de batterie dans mon iPad, puis j'ai complètement oublié d'enlever ma recharge d'iPad, c'est pas grave. Fait non, mais c'est simplement ça, je voulais juste vérifier si les jeux de GameCube, parce que c'était mes trois jeux favoris, si on pouvait les avoir sur iPad pour jouer, tu sais, à place de. Tu sais, oui, j'ai la console, mais c'est ça, j'ai un jeu de même. Ça, c'est un jeu de skate que je voulais voir si. Il était disponible si on pouvait vraiment l'avoir sur iPad. Tu sais, quand tu vas télécharger des jeux sur Apple Store. On dit si on a, j'ai un jeu que je vais voir si je pouvais l'avoir de voiture, de course.
et de ce jeu-là. Ce jeu-là, ben c'est certain, je vais essayer le premier, voir si il est disponible. Là, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer ça, là. Regardez. Le mot de passe, il demande un mot de passe, puis je suis pas capable de voir c'est quoi le mot de passe. Fait que c'est pas grave, je voulais juste voir, fait que c'est pas grave, je vais attendre, puis regarde, c'est pas plus grave que ça, mais c'est vrai, j'ai mon cellulaire que je pourrais voir sur mon cellulaire. C'est pas grave. Fait que non, c'est ça, on passe un petit après-midi, petit avant-midi, je veux dire, il est midi 44, faut qu'on passe un petit avant-midi très très relax avec mon chat. Ben, je passe un petit après-midi très relax avec mon chat. Fait que, ouais, une petite belle journée. Ok, à plus, et à tantôt. Alors, bon retour. Trouvez-vous, je dis souvent ça, bon retour, c'est pas grave. C'est juste pas une mauvaise manie, mais une manie que je sais toujours quand que je fais un petit bon retour. Là, il est 1h53, bientôt 2h, fait que ça veut dire qu'il est 2h moins 9, moins 8. Désolé, je suis pas bon, je suis pas bon en maths. Là, je retourne, c'est les grands-mamans que je retourne à la maison. Qui se tirait, il baillait. Hein, bébé, t'es mignon. T'as pas la vie dure, toi, hein? Oh, non. Ouais, c'est ça, j'attends mon père en ce moment. On s'en va manger au restaurant au McDonald's. Au McDonald's, mais c'est peut-être pas juste là qu'on va. Peut-être on va aller, je sais pas, on va aller où pour manger. J'ai vraiment faim, j'ai mal à la tête un peu. Fait que ça serait peut-être que je mange. Fait que, on va aller manger, tout ça. Honnêtement, je sais pas si je vais vous montrer. Parce que là, ça me gêne de filmer devant le monde, hein. Fait qu'on est au Québec, comme j'ai dit souvent. On n'est pas trop habitué de voir quelqu'un vlogger, tu sais, dans le public. Fait que, je pense que, tu sais, là, je vous montrerai pas le restaurant où qu'on va. Peut-être oui, peut-être non. Tant qu'on se court, on verra. On va aller manger parce que j'ai faim. Bon, mon père a faim aussi, puis qu'on a tout le temps la tête. Fait que j'attends mon père. Qui vient me dire un petit au revoir. Hein? Oh! Hey, gros nounours. Hey, gros nounours. Il est assez cute. Chaque fois qu'on part, qui sait qu'on s'en va, il se met toujours, il se couche tout. Oh! Ah oui! Ah oui! Il se couche toujours de rentrer parce qu'il sait quand on sait. Je reformule la phrase. Il sait qu'on part, il se couche toujours dans le cadre de porte. Petit bébé. Oui, tu peux me regarder. Oui. Tu peux pas me regarder, toi. Pour bébé. Fait que c'est ça, mais mon chat il est vraiment cute quand il réagit de même. On dirait un vrai enfant. Fait que là, j'attends mon père, mon lift. Pour retourner chez nous parce que j'avais pas de gants, hein, tu sais, au début du vlog, j'avais pas de gants, j'ai eu full mal aux mains. Parce qu'il fait super froid. Fait que je prends pas de chance, c'est que mon père va venir me chercher. À tantôt, ils vont peut-être vous montrer ou peut-être pas la place où qu'on va manger ensemble. Hey tout le monde! Salut! Bon retour! Comment ça va? Ça va bien? Oui? Non? En tout cas, on est revenu du McDo. C'est super bon, honnêtement. Ça a toujours été bon, le McDo, là, mais c'est juste que dans mon hamburger, ils ont tout mis en extra, on dirait. La sauce, on dit, ça débordait de sauce. Du bacon, ça débordait de bacon. C'était un pur délice. J'ai trop aimé ça. Les frites, tout ça, les frites, c'est un classique, hein. Souvent, elles sont toujours froides. C'est pas grave, je chiale pas. Mais, tu sais, c'est normal. Ils feront pas des frites à toutes les heures, à toutes les 5 minutes,
puis que ça soit chaud, tu sais. Mais pas d'importance. En tout cas, j'ai bien mangé. Mon père aussi a bien mangé. On est revenu. Là, mon père vient tout juste de partir chez ma mamie. Moi, j'y vais pas parce que je voulais continuer les vlogs. Puis, il y a encore des chances que je retourne chez ma mère à soir. Fait que, tu sais, je me suis dit, ouais, tu sais, faire des sacrifices à un moment donné, hein. Puis, en même temps, je vais vous parler aussi. Mon père est allé magasiner pour quelques petits trucs. Puis, je voulais vous montrer ce qu'il a acheté aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que mon père est allé au Dollarama et à la pharmacie. Puis en même temps, il y a aussi, je vais vous montrer ça là, je vais tout vous montrer ça là, attendez, je vais vous installer là. Et voilà. Bon, fait que je vais vous montrer. Mon père aussi, il était il y a deux jours, ou non, hier, pas il y a deux jours, hier, il est allé faire réparer une vitre après son char parce que sa vitre a été craquée à cause qu'il a reçu une roche par un camion. Quand il était sur l'autoroute. Fait que en même temps, quand il était réparé sa vitre, il a reçu ça. Puis en plus, ça a vraiment bien donné parce que c'est une de mes marques préférées quand tu veux laver ton char. C'est sans eau. T'as pas besoin d'eau quand tu laves ton char avec ça. T'as un petit kit. Ça veut dire que t'as un petit linge. Puis le produit pour laver ton char. Également, je vais continuer. Également, mon père est allé à la pharmacie. Il m'a pris. Pour moi. C'est pas mal des produits pour moi, là. Mon père il a pris ça. Alors, ok. Une affaire de Dove. C'est un genre de un shampoing sec. C'est que, exemple, quand vous n'avez pas eu le temps, pour vous dépanner. Ça, je vais vous dire bien franchement, c'est juste pour vous dépanner. S'il arrive de quoi, vous n'avez pas le temps de vous avoir nettoyé les cheveux. Ben, tu te mets ça, c'est sa tête. C'est un shampoing sec. Puis honnêtement, c'est Dove. Puis Dove, c'est juste numéro 1. On a un shampoing, mais pas sec, là, mais un vrai shampoing. Tu te laves les cheveux. Puis la marque Dove. Nous, on prend toujours la marque Dove. J'ai aussi appris une autre affaire pour te dépanner. Pour ceux qui suent beaucoup des aisselles, puis le produit que je vais présenter, c'est pas juste pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. C'est ça. Fait que c'est encore Dove. Ça, c'est pour ceux qui. Ceux qui transpirent beaucoup en dessous des aisselles, ben vous mettez ça. Puis en plus, que moi, je l'ai pris à l'odeur concombre. Fait que vraiment, ça sent. Vraiment, vraiment trop bon. Fait que vu pour te dépanner, si tu t'as pas nettoyé les dents, puis t'es parti vite, t'as pas eu le temps de te nettoyer les dents, c'est des lingettes dentaires. Fait que t'as pas besoin de brosse à dents, c'est vraiment, tu prends une petite lingette, c'est comme des petites lingettes là, pour t'essuyer, là, humide, là, pour t'essuyer les mains, là. Ben c'est la même affaire, mais ça c'est dentaire. Puis vraiment, là c'est pas Dove, là, pour une fois. Il est marqué « Élimine les bactéries et les restes alimentaires ». Fait que ça, c'est juste pour dépanner. Fait que là, ceux qui m'écoutent à la maison, c'est bien. C'est bien pour dépanner. Mais ceux qui aiment pas se brosser les dents, j'en connais. Puis c'est un classique, hein, surtout les enfants, c'est un classique. Ceux qui aiment pas ça de brosser les dents, c'est pas très bon pour vous. C'est pas très bon pour vous parce que, honnêtement, ça, c'est pour vous dépanner. C'est pas veut dire que quelqu'un va te prendre ça chaque soir, chaque matin, chaque midi, que ça va se faire comme un vrai brossage de dents. Ça, oubliez ça. Vraiment, là, oubliez ça, c'est vraiment, vraiment pour se dépanner. J'ai pris aussi mon père a pris plutôt un savon Dove. Trois produits dans la même vidéo, Dove. C'est pas un placement de produit quelconque, hein, pour juste préciser. Fait que, un téléphone, j'en reviens. Oui, allô? Salut ma poule! Oui, je tourne une vidéo, pourquoi? Bye! C'était ma mère. Et ça fait. Bon, fait que là, petite interruption, je vais aller chercher du lait. Ben, en fait, du lait dans mon frigidaire, là, pour aller pisser. Parce que hier, je viens de faire une bouillie pour chat. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est juste du lait, puis de la cassonade. C'est super bon. Fait que moi, je mangeais ça quand j'étais jeune, puis là, je voulais m'en manger. Hier, j'avais complètement oublié le lait pour ma mère. Ici, fait que j'ai pas pu, mais je me suis fait une bouillie pour chat, mais j'ai failli pas en avoir. Je vais le mettre dehors. Ma peine, je vais le mettre dehors. Tiens, je vais mettre ça ici. Ok, j'ai mis ça dehors, super. Ok, on continue. Ok, fait que là, c'est ça, fait que c'est mon téléphone, c'est de ma mère aussi. Fait que Dove, c'est un savon Dove, on aime beaucoup le Dove, ça fait une belle peau. Ta peau, après ça, quand tu embarques dans l'eau, vient douce. On a acheté trois ponchos jaunes. C'était 1$ plus taxe, plus paye. Ouais, 1$ plus taxe. On en a acheté 3, fait qu'on a à peu près une pile au de même.
Ça se dépanne bien par contre avec une petite poncho là, tu sais, dans le Québec là, c'est numéro 1. Ok, fait que guys, on se retrouve tout à l'heure parce que ça fait beaucoup de temps que je tombe, puis juste pour ça. Fait que non, c'est tout des beaux petits produits pour se dépanner. Surtout aussi, il y a plusieurs produits dans ça, c'est pour se dépanner. Fait que, tu sais, l'affaire de dentaire là, ceux qui aiment pas se brosser les dents là, dites-vous là, que c'est pas, ça remplace pas un vrai brossage de dents. Ok, bon, fait que guys, je vous ai montré nos, ben, les petits achats à mon père que j'avais demandé. Il est allé le faire. Merci beaucoup, papa. Là, il est quelle heure? Il est quelle heure? 16h16. Là, mon frère qui est supposé bientôt d'arriver. Je l'attends, puis je vais vous montrer quand il va arriver. Mais là, on est de la finale à la vidéo, fait que... Alors, si ça vous a plu, mon petit vlog de la journée, fait que si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un beau like, abonnez-vous plutôt, pour ne rien manquer mes autres prochaines vidéos, bien sûr, activez votre notification, j'ai pas mis à parler, mais c'est pas grave. Et sinon, c'est ça pour nos prochaines vidéos, tout le monde, bye bye! Salut Louis! Salut! Ah, oh, lui est arrivé, super!